Bah, ici, Godu, j'ai 15 ans. Je fais du judo depuis que j'ai 5 ans. Je m'entraîne au Pôle Espoir à Nantes. Je suis en seconde à la Collinière. L'année dernière, j'ai fait les deux championnats de France. J'ai rien fait. J'étais première année. J'étais en équipe de France première année. J'étais au Japon pour faire une compétition internationale. Cette année, je me classe sur tous les tournois nationaux. Et les championnats de France Fédé, c'est le 19 avril, alors on verra bien. C'est mon père, il est professeur de judo. Il nous a mis au judo quand on était tout petit. Enfin, toute la famille fait du judo. Et voilà. Je pense que là, c'est le sport qui lui convient. Et en fait, lui, dans ce qu'il nous dit, hein, comme il est en Pôle Espoir, lui, c'est d'être champion, il veut être champion. Par contre, le sport, la voie, l'enseignement et tout ça, ça ne l'intéresse pas pour l'instant. Alexis a participé régulièrement aux sélections départementales depuis les catégories d'âge Benjamin. Donc ça fait 7-8 ans qu'on le voit évoluer sur les championnats de Vendée, sur les stages départementaux, sur les sélections départementales. Donc il a, oui, on le voit évoluer depuis quelques années et là il a sacrément progressé. Démarrer embauché, hein, puisque on sait très bien qu'il ne faut jamais monter en avançant. Embaucher, j'inverse les jambes et je pars en déplacement. Ce qui est important, c'est reprendre la distance pour ensuite bien se placer. Entrée. Entraînement difficile, compétition facile, comme on dit. Si on s'adonne à l'entraînement, forcément, bah, ça va marcher. Il faut avoir un peu de talent, mais bon. Enfin, j'en fais plus que les autres, quoi. Dès que j'ai un moment, je fais du judo. Voilà. Il est un peu renfermé, disons. Hein. C'est difficile de lui tirer les verres du nez, comme on dit. Et donc en fait c'est carrément l'opposé quand on le voit dans son sport en judo où là il s'exprime complètement et ici il se libère quoi, et on voit vraiment que c'est sa passion. Au départ il a un bon potentiel technique, hein, dû aux apprentissages de base. Ensuite, la persévérance, c'est un travailleur aussi. Il en fait toujours un petit peu plus que les autres. Hein. C'est aussi une locomotive pour le club, puisqu'on voit après les entraînements, il reste faire quelques montées de cordes, quelques étirements supplémentaires ou quelques exercices techniques supplémentaires. Donc, et puis il a énormément progressé là, ces dernières années, depuis qu'il est aussi sur le pôle, ce qui lui manquait un petit peu dans le rythme et dans la vitesse d'exécution. Donc, ça commence à être intéressant. Pour l'instant, ce qu'il a fait, c'est déjà très bien. Mais donc lui, je pense qu'il a, une revanche à prendre parce qu'au dernier championnat de France à scolaire, il est tombé dès le premier tour. Et là, il a vraiment été très, très déçu. Et je pense qu'il a dans sa tête quelque chose. Et donc, au prochain championnat de France, donc à Paris, le 19 avril, il sera, j'espère, en mesure de se placer sur le podium. À court terme, pour cette année, on le verrait bien sur un podium national. Ça serait une belle récompense, en tout cas. Et je pense qu'il a le niveau. Thank you.